Bonsoir, bonsoir frères et sœurs. Je crois qu'il un petit souci technique. Voilà, donc je crois que nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Et voilà, il y a un petit souci euh, technique du côté de la régie. Et nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie, mes amis. Donc, euh, alors, je crois que chez vous, l'image est correcte. Hein, donc euh, Et euh, voilà, que le Seigneur soit béni pour... Son œuvre, voilà. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole. Merci pour l'œuvre que tu fais en nous. Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir. Nous voulons t'honorer, nous voulons te bénir, à Dieu d'Israël, Dieu de gloire. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions, Père. Amen. 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 Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien. Et toi? Ça fait plaisir. Merci. Je vais très bien. Amen. C'est un ça... pour moi. Amen. Ça fait plaisir de toi de t'avoir avec nous, Pasteur Philippe. Et euh, ça fait euh, depuis, ça fait combien de temps qu'on qu qu se connaît Ça fait, beaucoup. Ça fait depuis, euh, 2000. 2000, ouais. oui, depuis 2000. 2000, oui. Depuis wow, 2000. Ça fait déjà un bail, ça fait un bail oui. que le Seigneur soit béni en tout cas. Amen. Donc là, l'œuvre que le Seigneur t'a demandé à démarrer se porte bien Oui, l'œuvre se porte bien. Bon, on avance, on avance. Donc avec sa grâce, bon, on verra bien ce qu'il fera. Amen. Enfin. amen, Amen, Amen. <laughs> tu as aussi des combats par rapport au message que tu prêches, à la vérité que tu prêches tout Beaucoup, ça. beaucoup, beaucoup, beaucoup de combats, beaucoup de combats. D'accord. On ne va pas baisser les bras, on va continuer. Amen. Parce que nous sommes appelés à, à recevoir de coups. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà. Donc, euh, et, euh, merci Seigneur. Donc, on a aussi euh, Herman, hein, bonsoir. bonsoir tout va bien Ça va bien. Dieu est bon Amen. Alléluia. Donc hier, frères et sœurs, vous n'avez pas pu nous joindre au téléphone. Donc ce soir, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Donc si jamais vous avez euh, à cœur de nous appeler pour euh, témoigner, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire au 01 64 98 90 45. 01 64 98 40 90 45. Voilà, donc ce soir, on va euh, partager tous ensemble hein, sur euh, un passage dans Acte chapitre 19. Donc euh, chacun pourra et à partager, commenter. Il n'y a pas de souci. Acte chapitre 19, euh, on en a parlé un peu hier et, euh, et ce soir. Par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de rentrer un peu plus en profondeur. Et, euh, acte chapitre 19 à partir du verset 23. Acte 19 à partir du verset 23 euh, jusqu'au verset 40. Mais en ce temps-là, il arriva un grand trouble à cause de la doctrine. Car un certain homme nommé Démétrius orfèbre, Orfèvre fabriquait de petits temples d'argent de Diane et apportait beaucoup de profit aux ouvriers du métier. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit « Ô oh, hommes, vous savez que tout notre gain vient de cet ouvrage et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse mais dans presque toute l'Asie, ce pôle par ses persuasions a détourné beaucoup de monde en disant que les dieux faits de main d'hommes, de mains d'hommes ne sont pas des dieux. Et il n'y a pas seulement à craindre pour nous que notre métier ne soit décrié, mais n'est-ce pas Il dit il a pas, il n'y a pas seulement à craindre pour nous que notre métier soit décrié, ne soit décrié, mais même que le temple de la grande Diane ne tombe dans le mépris et que sa majesté, que toute l'Asie et que le monde entier rêver ne soit anéanti. Ayant entendu ces choses, ils furent tous remplis de colère et se crièrent, disant, Grande est la Diane des Éphésiens. Et toute la ville fut remplie de confusion. Et ils se jetèrent en foule dans le théâtre et enlevèrent Gaius et Aristarque, Macédonien, compagnons de voyage de Paul. Et comme Paul voulait entrer vers le peuple, les disciples ne le lui permirent pas. Quelques-uns même des asiarques qui étaient ses amis envoyèrent quelqu'un vers lui pour le prier de ne pas se présenter au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car l'assemblée était confuse et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient assemblés. Alors Alexandre fut... Contraint de sortir hors de la foule, et les Juifs le poussant en avant, et Alexandre, faisant, faisant signe de la main, voulait présenter quelque excuse au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant deux heures Grande et la Diane des Éphésiens. Cependant, le secrétaire de la ville, ayant apaisé la foule, dit Homme Éphésiens, quel est celui? des hommes qui ignorent que la ville d'Éphèse est la gardienne de la grande déesse Diane et de son image tombée de Jupiter. En fait, le mot ciel ici, dans notre version, le grec parle littéralement de Jupiter. D'accord Donc, on associait Diane à Jupiter. C'est très intéressant de le savoir. Voilà. Et euh, alors, on nous dit également... Cela étant donc incontestable, vous devez vous apaiser et ne rien faire avec précipitation, car ces gens que vous avez amenés ne sont ni sacrilèges, ni blasphémateurs de votre déesse. Mais si Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls, qu'ils s'appellent en justice les uns les autres. Et si... Vous avez quelque autre chose à réclamer, on pourra en décider dans une assemblée légale. Et si, n'est-ce pas, Et euh, car nous risquons, pardon, car nous risquons d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, n'ayant aucune raison pour nous justifier, pour justifier ce rassemblement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Le verset, chapitre 20 au verset 1er. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul fit venir les disciples et après les avoir embrassés, il partit pour aller en Macédoine. Voilà. Frères et sœurs, cette histoire euh, s'est déroulée bien sûr à 2000 ans à Éphèse. Et Éphèse était la capitale, selon les historiens, de l'Asie Mineure, l'Asie Mineure était une des régions, une de régions de l'Empire romain, n'est-ce pas Et euh, et, euh, et l'Asie Mineure était très très, mes amis, euh, euh, comment dire, visitée à l'époque et euh, et elle correspond à la Turquie actuelle, d'accord Et euh, donc on apprend que Paul va arriver à Éphèse n'est-ce pas, dans le chapitre 19 au verset, euh, euh, comment dire, premier, mais bien avant cela, si vous lisez le chapitre 18 euh, à partir du verset 24, Paul arrive pour la première fois à Éphèse hein, à ce moment-là, donc euh, acte 18, 24, « En ce temps-là, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et puissant dans les Écritures, vint à Éphèse. » Il était en quelque sorte instruit dans la voix du Seigneur et fervent d'esprit. Il expliquait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il commença donc à parler avec hardiesse dans la synagogue. Et quand Achillas et Priscille l'eurent entendu, ils il le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Et comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il aida beaucoup ceux qui avaient cru par la grâce de Dieu. Comme, car il refutait publiquement les juifs avec une grande véhémence, démontrant par les Écritures que Jésus était le Christ. Voilà. Et, euh, et qu'est-ce qu'on apprend Et pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir, n'est-ce pas, parcouru les hautes provinces de l'Asie, les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Donc Paul arrive à Éphèse pour la première fois là. Il va, n'est-ce pas, et, euh, rencontrer quelques disciples de Jean. Il va prier pour eux, ils vont recevoir le Saint-Esprit, ils vont recevoir le parler en langue, et en même temps. Et euh, ensuite, on nous dit que, verset 11, et Dieu faisait des miracles, hein, des prodiges extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché son corps, et ils étaient guéris de leur maladie, et les esprits malins sortaient. Voilà. Et donc, on arrive, on voit que Paul, mes amis, quand il arrive à Éphèse, il avait. Puissamment été utilisé par le Seigneur, n'est-ce pas Il y a eu des guérisons, des miracles. Ces mouch mouchoirs qui, qui avaient touché son corps, étaient appliqués sur les malades, sur les possédés, et ces derniers étaient totalement, mes amis, restaurés. Donc, Éphèse n'avait jamais vécu une telle, mes amis, un tel engouement, un, 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 tel, un tel réveil, des tels miracles. Et, euh, et Paul, et mes amis, Dieu l'a puissamment, particulièrement utilisé pour réveiller euh, n'est-ce pas euh, les Éphésiens. Alors, il va rencontrer bien sûr de l'opposition. Et cette opposition provenait justement d'un certain Démétrius qui était un commerçant qui se servait de Diane la, la déesse Diane tombée du ciel, c'est-à-dire littéralement tombée de Jupiter. Jupiter était la divinité principale, mes amis, et, euh, chez, 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 les, chez les Grecs, Zeus, Jupiter, tout ça. Et, euh, et Paul, mes amis, va rencontrer de l'opposition, Démétrius, qui était un commerçant, un marchand du temple, fabriqué de petits temples de Diane qu'il vendait aux idolâtres, aux religieux, à la foule n'est-ce pas, qui était composé malheureusement des personnes ignorantes, qui croyaient vraiment que Diane était une euh, véritable divinité, alors que c'était un démon. Diane, en fait, pour votre information, il y en a qui le savent, Diane correspond à Artémise n'est-ce pas, et euh, euh, chez les romains, euh, elle correspond à, comment dire, à la Reine du Ciel, dont il est question dans euh, Jérémie chapitre 7. Diane correspond aussi à Astarté, à, 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 à Chéra, et à tout ça. Et là, mes amis, cette divinité hein, qui devient aujourd'hui la mère de Dieu chez les catholiques, parce que c'est au Concile d'Éphèse en 431 que l'Église romaine a décrété que Marie était désormais, n'est-ce pas, la mère de Dieu. Donc, en fait, ils ont remplacé le nom de Diane, qui était la divinité principale d'Éphèse. Parce que était sa comment dire, sa, la gardienne de cette divinité. Donc, ils ont remplacé son nom là par Marie, soi-disant. Alors que la Marie, mère de Jésus-Christ, homme, n'est pas la mère de Dieu, mais la mère de Yeshua, homme. Frères et sœurs, qu'est-ce qui va se passer Démétrius, lui, c'était son commerce qui était menacé, son industrie qui était menacée, son, mes amis, son business était menacé par un seul homme. Paul. Et il dira que Paul, par ses persuasions, c'est-à-dire Paul avait réussi, non pas par sa propre force, mais par l'esprit qui convainc, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit du Père, qui convainc du péché de la justice et du jugement. Le Saint-Esprit, par Paul, a convaincu du péché d'idolâtrie toute cette foule. Donc, Paul par son message était très, très persuasif, très, très convaincant, parce qu'il n'a pas seulement apporté un message nouveau, Christocentrique, centré sur Jésus Christ, mais il a également, mes amis, démontré la puissance de ce Dieu qu'il prêchait. Amen. Contrairement aux, ad, aux adorateurs de Diane, de Diane, Paul a prié pour les aveugles, ils ont vu. Il a prié pour les handicapés, ils ont marché. Alléluia. Il a prié pour les morts, Dieu les a réveillés. D'accord Il a prié pour les lépreux, Dieu les a purifiés. Il a démontré au monde entier, aux Éphésiens, que Jupiter était un petit démon face au Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Alléluia. Il a prouvé par sa prédication, par sa prédication, son enseignement, parce qu'il a enseigné pendant plus de, près de trois ans à Éphèse, par sa démonstration de la puissance de Dieu. Paul a démontré aux adorateurs de Diane que Diane était un petit démon incapable de rêver les morts. La différence se fait au niveau de la puissance. Tout le monde peut prêcher tout le monde ne peut pas enseigner, mais tout le monde ne peut pas démontrer la puissance qui accompagne la parole véritable. Alléluia. Le problème, mon frère Philippe, par Philippe, se situe à ce niveau-là. Alléluia. Oh, Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez, Satan enseigne, les démons enseignent, les mmh, religions mmh. enseignent, les théologies enseignent, mmh. mais la différence est au niveau de la puissance de Dieu. Mmh. Car Dieu n'accompagne pas tout le monde. Mmh. Dieu accompagne seulement ses élus. Il accompagne seulement les hommes et les femmes qu'il a mandatés, qu'il a missionnés. On ne force pas. Mm. Celui que Dieu a missionné ne force pas. Mm. Quand il prie seulement, les démons sont chassés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je les gens sont guéris, restaurés. Les cancers, les cancéreux sont guéris. Les sidéants sont guéris. Les aveugles voient. On dit que c'est la magie. Ce n'est pas la magie. On dit que c'est le vaudou. Ce n'est pas le vaudou. Mm -hmm. Alléluia. S'il y a la fausse monnaie, il y a aussi la vraie monnaie. On peut pas tout, tout mettre dans un même panier. Non, mm -hmm. frère. Et c'est ce que Paul a démontré à Éphèse. Ce qui manquait à Diane, c'était l'autorité apostolique, l'autorité gouvernementale. Ce qui manquait, mes amis, à Diane, c'était la puissance de la résurrection. Parce que aucun démon n'était mort et ressuscité. Aucun Dieu n'était mort et ressuscité. Seul Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lui seul a pu dire, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. J'étais mort et voici, je vis au siècle de siècle. Alléluia. Et Paul prêchait ce Dieu-là, justement. C'est ça la différence. Il y a prédication et prédication, frères et sœurs. Paul oh, arrive à Éphèse, <laughs> mes amis, tous les démons de l'enfer étaient secoués par un seul homme. Oh, il y a homme et homme. Il y a frère et frère. Mm. Il y a sœur et sœur. Mm. Il y a homme de Dieu et homme de Dieu. Man. Il y a femme de Dieu et femme de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia, nous sommes dans mm. une génération où Dieu envoie ses élus. Où Dieu envoie ses guerriers et ses guerrières. Yeah. Dieu envoie ses mm. messagers et ses messagères. Des... On ne mm. peut pas les contrôler. On ne peut pas les manipuler. Mm. On ne peut pas mm. les enfermer dans les boîtes. Mm. Parce que. Que ils ont l'esprit du réveil, ils ont l'esprit de feu au nom de, Jésus de, au nom de non Yeshua. De Jésus de Jésus. Hallelujah! Le feu, je sens le feu de deux frères et de sœurs, hmm. c'est terrible. Et le pôle arrive, des chaînes étaient brisées, hmm. les prisonniers étaient libérés, mm. les, 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 les fous étaient guéris, restaurés. Il a proclamé avec force que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie, que Yeshua est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a prêché le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élysée. Et les gens ont découvert un autre message. Ils ont découvert une autre puissance. Ils ont découvert une autre autorité. Ils ont comparé Zeus, ils ont comparé Jupiter à Jésus. Ils ont dit Jésus est plus fort. Et ils ont brûlé, ils ont brûlé leurs livres. Les magiciens nous disent, acte 19, ceux qui avaient pratiqué les arts magiques, qui adoraient Diane avec des livres, parce que Diane avait aussi ses livres. Mm. Diane avait aussi sa Bible. Mm. Et on nous dit dans Acte 19, là, les gens ont apporté leur fausse Bible, mm. leurs livres magiques. Ils les ont brûlés devant tout le monde. Alléluia. Et on a estimé la valeur de ces choses, mes amis. Oh, c'était des livres qui coûtaient beaucoup d'argent. Mm. Hein, mon frère Philippe? Est-ce que tu peux nous lire le verset 17? Ouh, Alléluia. Le verset 17, mm -hmm. toujours dans. Des apôtres, mmh. chapitre 19, la Bible nous dit ceci Cela fut connu de tous les juifs et de tous les grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux. Mmh. Alléluia, Ouh. Seigneur. Hmm. Alléluia. Si vous pouvez tout simplement vivre l'onction qui est dans ce plateau. <laughs> Alléluia. Alléluia. Ouh. Je répète. C'est la fille connue de tous les Juifs et de tous les Grecs mm -hmm. qui demeuraient à Éphèse. Mm -hmm. Et la crainte s'appara de tous. Mm -hmm. Et le nom du Seigneur Jésus était ah. glorifié. Ah et qui dit que Jésus n'est pas Dieu Alléluia. Qui ose dire que Jésus n'est pas Dieu Alléluia. Le nom de Jésus-Christ était glorifié. Tu sais, mon apôtre, mm -hmm. on dirait que le Seigneur savait que tu devais être dans ce plateau aujourd'hui, mm -hmm. sur ce plateau aujourd'hui. Mm -hmm. Mais parce que le Seigneur lui-même, mm -hmm. quand il a été reçu par Jean-Baptiste mm -hmm. dans les eaux des baptêmes, mm -hmm. et c'est là dans le livre de Marc au chapitre 1, mm -hmm. la Bible nous dit comme quoi que le Saint-Esprit l'a poussé dans le désert. Mm -hmm. Et le Seigneur est resté dans le désert pendant 40 jours 40 et 40 jours. nuits. Mm -hmm. Et Satan essayait tout simplement de l'empêcher mm -hmm. de faire le travail que son père lui avait confié. Mm -hmm. Mais la Bible nous dit à partir du verset 21, ça pour, pour essayer d'appuyer mm -hmm. le message mm -hmm. par rapport à l'autorité. Alléluia. La Bible nous dit comme quoi que il enseignait avec autorité. autorité. Et non comme les scribes. Mm -hmm. Non pas comme tout. Non. Alléluia. Il utilisait la parole de Dieu comme un marteau. Mmh. Et les juifs qui étaient à la synagogue même, ils se sont dit eux-mêmes. Mais c'est quelle doctrine ça? Mmh, mmh. C'est quelle doctrine? Parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un prêcher la parole de Dieu comme cela. Mmh. Et c'était étonnant. Et plus encore comme nous dit la Bible dans le livre d'Apocalypse, comme quoi que nous devons connaître et recevoir cette doctrine. Mm -hmm. Et ce jour-là, le Seigneur, en rentrant dans cette synagogue, il a montré aux Juifs les profondeurs de Satan. Ah. Parce qu'un homme était possédé mm -hmm. et cet homme venait tous les jours au temple. prier. priez, priez. Et prier. Alors qu'il était toujours possédé. Cet homme était possédé et les gens ne savaient pas. Mmh, même le chef de la synagogue ne savait pas. Ne savait pas. Alors qu'il la théologie. qui étaient là ne savaient pas. Mais ce jour-là, la Bible nous dit comme quoi que quand le Seigneur a commencé à enseigner avec autorité, un esprit impur était dans la personne. Mmh. Et c'est l'esprit impur qui s'écria et c'est l'esprit impur qui a présenté aux gens qu'il est Seigneur. Waouh! Parce qu'il a dit, je sais qui tu es. Wow. Je sais qui tu es. Les le, démon Saint qui de le, Dieu. le démon qui est le C'est le démon qu'il a présenté à tout le monde. Wow. Ce n'est pas le Seigneur lui-même qui dira comme quoi que comme nous, nous avons l'habitude de le dire, ah, je suis pasteur, ah, je suis apôtre, ah, je suis comme c'est sûr. Ah. Non, c'est le démon qui a présenté <laughs> Jésus à <laughs> tout le monde. Wow. Comme quoi que tu es venu pour nous perdre. Mmh. Parce qu'il savait bien que le combat vient de commencer. commencer. Et ils étaient déjà défaits. Wow. Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le saint de Dieu. Mm -hmm. Mais le Seigneur n'a pas tenu compte de tout cela. Il a dit tout simplement, tout tu sors de cet homme. Et les gens qui étaient là étaient très étonnés. Ils se sont dit, quelle doctrine On n'a jamais vu ça. Il est question de doctrine. Mm -hmm. Moi, quand, tout simplement, quand tu as commencé à lire et tu as parlé de... de la doctrine, je dis Seigneur, merci. Alléluia. Je suis au bon endroit. Amen. Je suis au bon endroit. Il est question de doctrine mm -hmm. parce que l'apôtre Paul, mais il était qui mm -hmm. Il était judaïste. C'est ça. Mais quand il a compris que la chose que je combattais est la vraie, et lui-même il le dira mm -hmm. tout ce que je connaissais avant, ce n'est que de la, de la boue. La boue. Mm -hmm mais parce qu'il a rencontré le Seigneur. Alléluia. Il est question de connaître la doctrine. Et ce jour-là, le Seigneur a montré aux Juifs les profondeurs de Satan. Mm -hmm. Et ce jour-là, Satan a été mis à nu. Mm -hmm. Et bien, voilà pourquoi je suis vraiment dans la joie aujourd'hui de participer à cette émission. Amen. Ah, que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. C'est Dieu-là. Ce Dieu il est fort. Alléluia. Alors, Alléluia. Ben, Alléluia. avec tout ça, là, mes amis, mmh. c'est vraiment impressionnant de voir, comme tu disais, le Seigneur arrive dans cette synagogue. Oui. Les gens avaient coutume d'aller prier là-dedans. Il y avait des chefs, il y en avait des... plusieurs des chefs de synagogue Bien qui sûr. avaient fait leur diplôme théologique Thé et qui connaissaient... Avec euh, la, la barbe et tout ça, qui... leur soutane. Oui. Et, et là, ils ne voyaient pas que cet homme était possédé. Mmh. Le démon était con content d'être là. Parce qu'ils n'avaient aucune autorité, ces gens. Et, et c'est le cas aussi, mes amis, comme vous dans la plupart de nos églises aujourd'hui. Mm -hmm. Les gens sont possédés et les pasteurs ne le voient même pas. Personne ne voit. Parce que ce sont des fonctionnaires. Mm -hmm. Et eux, tout ce qu'ils veulent, c'est leur salaire. Mm. Et le reste, ce n'est pas leur problème. Mm -hmm. Quand quelqu'un tombe sous l'onction, il ne faut pas le désordre ici, là, tout ça. Faut pas, il faut la sagesse parce que ça va choquer les nouveaux. Mm -hmm. Mais les nouveaux, ils sont. La Bible dit que Dieu a amené chaque jour les gens à l'église pour être sauvés. Alléluia. Frères et sœurs, oh, que Dieu nous aide. Mm. Vous voyez, et ça, le Seigneur le dit hein, ici, mm. que et euh, au verset. Et euh, comment dire, et en ce temps-là, au verset 23, mmh. il arriva un grand trouble à cause de la doctrine. Alléluia. Et comme tu l'as si bien mentionné, à <laughs> cause de la doctrine, il persévérait dans la doctrine des Allé apôtres. Alléluia. Alléluia. Et là, mes amis, on voit que la doctrine que Paul a amenée à Éphèse était inconnue. Mmh. Les adorateurs de Diane ne connaissaient pas cette doctrine, ils ne la connaissaient pas. Quelle était cette doctrine-là? Il fallait que le nom de Yeshua soit glorifié. Amen. Il fallait chasser les démons. Alléluia. Quand le royaume de Dieu arrive quelque part, les démons sont chassés. <laughs> Alléluia. Dans une assemblée où il n'y a pas de délivrance, il faut la quitter. Mmh. Amen. S'il n'y a pas de délivrance, frères et sœurs, les nouveaux qui viennent, s'ils ne sont pas délivrés, c'est qu'il n'y a, a pas de Dieu là-dedans. C'est que c'est un zoo, mmh. mes amis. <laughs> et là, frères et sœurs, on nous dit que Démétrius, ce nom, il faut le retenir. Mmh. Démétrius, quel était ce métier? <laughs> orfèvres, Orfèvre. fabricants hein, de temples. temples. Eh bien, nous avons aussi, mon frère Philippe, aujourd'hui des fabricants de temples. Mm -hmm. Ils bâtissent de temples partout. Mm. Ils disent que ces temples-là, c'est pour Jésus. Mm. Mais on ne voit pas Jésus là-dedans. Ce sont des démétrius modernes. Vous mm -hmm. mm. voyez Ils construisent des bâtiments. Ils achètent des, des salles. Ils mettent les églises là-dedans. Mm -hmm. Mais eux-mêmes... Ils ont un problème parce que c'est un métier pour eux. Mmh. Et qui dit métier, dit aussi un salaire. Mmh. N'est-ce pas Qui dit salaire, dit aussi des foules de gens qui payent. Mmh. Et là, Démétrou se sentit menacé. Et on nous dit qu'il va rassembler les gens du même métier, c'est-à-dire ses collègues. Mmh. Voilà comment, mes amis, il y a des ligues qui se mettent en place entre les faux. Pour détruire les vrais ministères, les vrais serviteurs de Dieu, mmh. les vrais enfants de Dieu. Et là, un seul homme, Paul, a fait que toute une ville était troublée. Mmh. Un seul homme. Et s'il y en avait 30, ça c'est pour nous montrer que Dieu est tellement fort. Alléluia. Il prend juste un simple homme, mmh. il le remplit de son feu, mmh. il le lâche dans une ville, remplie de possédés. Une ville qui était la gardienne d'un démon. La gardienne de Diane, Diane, c'était une divinité, mes amis, très très crainte, très respectée. Voilà que Dieu lâche seulement un seul apôtre là-dedans. Un seul. Et la gardienne de Diane était secouée, mes amis. Et qu'est-ce qu'on apprend ici On apprend que c'était des ouvriers du même métier. Donc c'est un métier. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, mes amis, ont fait de la prédication un métier. Pour vivre avec ça. Mm. Et ensuite, mes amis, qu'est-ce qu'on apprend ce homme dit que Paul était un homme très persuasif. Il a détourné beaucoup de monde mm -hmm. en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Paul n'a pas ménagé ces gens. Paul a attaqué leurs dieux. Mm -hmm. <laughs> voilà la doctrine qu'il a amenée aussi. Il n'y avait personne qui dénonçait, divini, euh, dénonçait Diane. Mm -hmm. Vous voyez, non Personne n'osait dénoncer Diane en disant Diane est un faux dieu. Personne n'osait. Et Paul arrive et il dit, Diane est un faux Dieu. Démétrius dit, oh là là, notre entreprise va tomber en, en discrédit, n'est-ce pas, en faillite. Là, il faut réagir. Il faut avoir de l'audace. Ah, il faut. Cette audace-là qu'avait Paul. Voilà. Le courage, l'audace pour Amen. dire les choses. Amen. Frères et sœurs. Et il a dit dans presque toute l'Asie, et on a appris ici que tous les juifs et tous les grecs qui habitaient Éphèse étaient touchés par... Ils avaient entendu le message de Paul. Alléluia. Tous, sans exception. Mm. C'est-à-dire, le message que Paul prêchait, c'était complètement répandu dans toute la ville. Pourtant, il n'y avait pas Internet. Hein. Il n'y avait ni radio, mm. ni journaux, ni Internet, ni téléphone, ni fax. Le vent de l'esprit, de bouche à l'oreille. Amen. Des maisons en maison, de quartier en quartier. Ça me rappelle ce que les apôtres ont fait dans mm. Jérusalem. Mm. Parce que, qu'est-ce que le saint a dit mm -hmm. Vous avez rempli Jérusalem de votre, de votre enseignement. enseignement. C'est quoi l'enseignement mm -hmm. C'est une doctrine, c'est ça Vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine, doctrine effectivement. Que Dieu soit béni. Et là, ben, mes amis, c'est vraiment magnifique parce que là, qu'est-ce qu'on apprend encore Et la Bible nous dit que, que si on ne fait rien, en gros, hein, cet homme disait il n'y a pas seulement à craindre pour nous et hein, pour notre métier. Hein, que notre métier soit décrié. Mais même que le temple de la grande Diane ne tombe dans le mépris. Mmh. En fait, là, il mentait. C'était plutôt son argent hein, <laughs> qui était menacé. Hein, donc, euh, bah, il va se servir de cette, euh, cette image, de, de l'image de Diane. Il était astucieux. Très, très, <laughs> très malin. Et pour <laughs> susciter de la, de la, de la colère, et il a réussi. Hein, parce que les gens, malheureusement, beaucoup suivent malheureusement bêtement les, les hommes. Et ayant entendu ces choses, ils furent tous remplis de colère. Frères et sœurs, voilà une des conséquences de la prédication de la vérité. Celui qui annonce l'évangile doit s'attendre à ce que certains euh, groupes euh, qui l'écoutent soient en colère. C'est obligé. Obligé, oui. Qu'il y ait de la colère. Donc, et d'ailleurs, on voit quand ils tiennent prêcher, on nous dit que les pharisiens étaient furieux. Mm -hmm. hein? Furieux, très, très furieux. Mm -hmm. Et là, la Bible nous dit, mes amis, toute la ville fut remplie de confusion. Toute la ville était remplie de confusion. Ça, c'est aussi un autre, une autre conséquence de la prédication de l'évangile. D'accord Une des conséquences, c'est la colère chez certains. Une autre conséquence, c'est le réveil, n'est-ce pas Les, 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 les repentances, et les conversions, tout ça. Une autre conséquence, eh c'est la confusion. Il ne ne, y en a qui ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus où se trouve la vérité. Mmh. Parce Vous que depuis la leur naissance, on leur a dit que Dieu, Diane était Dieu. Mmh. On, on leur a dit que Diane tombait de Jupiter. Mmh. Paul arrive et il dit Hé hey, Jupiter Et hey, Diane Tout ça, ce sont des démons. Il ne faut pas les adorer. Mais mmh. ben, attendez. Quelqu'un qui a toujours entendu dire que Diane était Dieu, Jupiter était Dieu, qu'il fallait les adorer. Et du jour au lendemain, quelqu'un d'autre vient pour nous dire, ce sont des démons, il ne faut pas les adorer. Car il y a un autre qui est au-dessus d'eux. Mmh. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Eh bien, il y a la confusion. Il y a la confusion. C'est normal. Et qu'est-ce qu'on apprend encore ici, mes amis Et ils vont enlever, la foule va enlever hein, Gaius et Aristate compagnons de Paul mm -hmm. et la foule et ses deux compagnons de Paul vont se rendre dans le théâtre, théâtre. alors pourquoi le théâtre, mon frère Philippe ici, mon frère Herman et eh bien tout simplement parce que euh, la plupart de nos églises aujourd'hui sont devenues des théâtres mm -hmm. des lieux où les gens viennent s'exhiber mm -hmm. ils viennent jouer un rôle d'ailleurs chez les grecs les grecs, grecs appelaient à l'époque leurs acteurs parce que c'est eux qui ont donné au monde le théâtre tout ça. Donc, ils appelaient leur, leurs acteurs hypo hypocrites. Donc, hypocrites. Mmh. Parce qu'ils jouaient un rôle. Ils se mettaient dans la peau des personnages fictifs, des imaginaires. Et donc, c'est exactement ce que le, euh, la plupart des, 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 des ministères, des pasteurs euh, font aujourd'hui. La théologie, nos écoles théologiques, forment les pasteurs pour qu'ils jouent des rôles. Mmh. voyez Et c'est terrible, frères et sœurs. Il faut apprendre la gestuelle apprendre le sourire, apprendre la manière de bouger, de se mouvoir, de parler, comment s'habiller, voilà, comment s'habiller tout ça. Donc, il faut tout, pas crier, être... il faut pas trop crier parce qu'il faut pas choquer les gens, mm -hmm. vous comprenez tout ça Il faut pas parler de l'enfer non mm -hmm. plus, il faut pas parler de, n'est-ce pas, de la repentance, il faut toucher pas aux démons. Voilà, touchez surtout pas au démon parce que vous allez faire peur aux gens, mm -hmm. il faut, n'est-ce pas, bien parler, il faut pas condamner, tout ça, faut pas juger, tout ça. Donc, vous voyez, c'est cet évangile politiquement correct. Et c'est ce qu'on apprend malheureusement aux gens aujourd'hui, mes amis, dans, les, dans beaucoup d'écoles théologiques. C'est pour cela qu'il n'y a pas le réveil. Parce qu'on ne dit pas les choses correctement. Mm -hmm. On ne va pas droit au but. On ne dit pas aux gens que s'ils meurent dans le péché, ils vont en enfer. Mais s'ils se repentent, Dieu va les sauver. Frères et sœurs, c'est grave. Et nos églises sont devenues des théâtres. On fait du théâtre. Tout est devenu théâtral. Et c'est grave, chrétien. Et c'est d'autant plus grave que beaucoup sont ignorants de cet aspect des choses. De, on va chanter, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon âme. En fait, quand le Seigneur nous regarde, il dit, mais vous ne m'avez pas encore donné vos vies. Parce que vous êtes en boîte de nuit, vous êtes en train de, 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 de mentir, de voler, de trahir, tout ça. Il n'y a pas la conversion encore, et c'est incroyable. On dit, seigneur, nous voulons faire tout selon ta parole, mais pourtant, on est les premiers. Ils sont les premiers à vendre leurs livres, leurs ouvrages, à vendre leurs CD, à vendre leur Bible, à n'est- ce pas demander la dîme aux gens en les menaçant de malédiction. Frère et sœurs, on ne fait pas tout selon la lit le livre de la parole, la parole. Mais c'est un théâtre. Oh frères et sœurs, on s'embrasse, oh soyez bénis, tout ça, mais est-ce qu'on est, qu est véritablement frère et soeur? Et c'est grave, c'est du théâtre. Et Paul voulait se rendre au théâtre. Dieu n'a pas permis parce que ce n'était pas un endroit pour lui. Les vrais apôtres ne sont pas dans le théâtre. Ils ne sont pas dedans. Dieu, n'est-ce pas, leur demande de sortir de là. Pourquoi Eh bien, regardez bien. Au verset, mes amis euh, 32, ils étaient dans ce théâtre et on appelle ce rassemblement assemblée. Dans le grec, hein, ici c'est Ecclesia, c'est-à-dire l'Église. C'est le même mot que le Seigneur Jésus-Christ va utiliser pour parler de l'Église qu'il allait fonder. Quand il a dit dans Matthieu 16, 18 à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc... Je bâtirai mon église, mon assemblée, mon église. C'est le même mot ici. Et vous, vous rendez compte, frères et sœurs, cette église-là, dans acte 19-32, se réunissait dans un théâtre. Mais elle n'était pas l'église de Jésus-Christ. Donc, vous voyez bien que toutes les églises ne sont pas de Jésus. Mm -hmm. Ce n'est pas parce que euh, on, on les appelle églises qu'elles sont automatiquement, qu'elles appartiennent automatiquement à Jésus-Christ. Non! Ici, nous avons une église qui n'avait rien à voir avec Jésus-Christ. Une église qui s'était réunie autour, n'est-ce pas, de Diane. Parce que pendant deux heures, cette église a adoré Diane. Pendant deux heures, ces hommes et ces femmes ont crié pendant deux heures, Diane, n'est-ce pas, grande est la Diane des Éphésiens, pendant deux heures. Vous voyez comme une phrase sœurs Et c'est terrible et la Bible nous dit que les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Mm -hmm. Voyez, et c'est ça aussi euh, euh, que l'on voit dans beaucoup de nos églises. Le désordre. Le désordre, effectivement. La confusion. Les uns crient sanctification, les autres crient euh, immoralité. Prospérité. Prospérité. Amen. Évangile de la prospérité. Venez à Jésus-Christ, vous serez milliardaire. Venez à Jésus-Christ, vous donnez vos dîmes et vous serez la tête et non la queue. Venez à Jésus-Christ, il y en a même un à Kinshasa qui a dit que celui qui paye la dîme, un couple qui paye la dîme, ne connaîtra jamais le divorce. Ah oui, ah oui. ça va loin. Hein? C'est incroyable. La confusion. Et vous savez, la définition de Babylone, Babylone signifie confusion par le mélange. Eh ben, c'est cette église-là. Une église babylonienne. Les uns créés d'une manière, les autres d'une autre. Et la confusion était là dans l'assemblée. Et la Bible nous dit que car l'assemblée était confuse et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient assemblés. La plupart ne savaient même pas pourquoi ils étaient là. Et effectivement, quand on voit dans nos églises aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup ne savent même pas pourquoi ils sont là. Mm -hmm. Quand on dit on va adorer le Seigneur, il y en a qui pleurent, qui adorent le Seigneur sincèrement. D'autres, ils sont en train de mâcher, mâcher leur chewing-gum. D'autres dorment. Et euh, on se dit, mais, mais on, on vient faire quoi il, il, Chacun a ses propres motivations, ses propres raisons. Et mes amis, c'est grave ici ce qui se passe. Et regardez bien, on nous dit au verset 34, mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant combien de temps Pendant deux heures. C'était une église, hein? l'assemblée. Ils ont crié quoi Grande est la Diane des Éphésiens. Grande est la Diane des Éphésiens. C'est-à-dire, ces hommes et ces femmes qui avaient expérimenté des miracles, qui avaient été guéris par le Seigneur, qui avaient été délivrés par le service que Paul avait exercé, qui avaient été délivrés par son, par son biais, ces hommes et ces femmes, malheureusement, sont repartis dans leur vomi. Ils sont repartis encore dans l'adoration de Diane. Et c'est grave. C'est comme si Paul n'avait rien fait. Regardez bien, on nous dit au verset 23, mes amis, qu'il y avait des miracles extraordinaires. Au verset 11, on nous dit qu'il y avait des miracles extraordinaires à Éphèse. On nous dit que au verset 18, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient... Confessant et déclarant ce qu'ils avaient fait. Et un grand nombre de ceux qui s'étaient adonnés à des pratiques magiques apportèrent leurs livres et les brûlèrent, hein, les brûlèrent devant tous. Et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Et la parole du Seigneur se répandait sensiblement et produisait de grands effets. C'est terrible, hein? Produisait des grands effets. Mais pourtant, ces mêmes individus, mes amis, sont repartis dans leur assemblée où Diane était, n'est-ce pas, adorée. Et pendant deux heures, ces hommes et ces femmes ont crié, grande est la Diane des Éphésiens. Ils ont remplacé la parole de Dieu par leur tradition, par leur coutumes. Ils ont préféré adorer leur divinité locale. Ils ont... Et ils ont cru que Dieu, Yahweh, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, était une divinité, mes amis. Hallelujah. Au même titre que euh, Diane. Mm. Ils ont cru que Yahweh était une divinité qui, mes amis, était aussi, comment dire, puissant que Diane. Mm -hmm. Et ils ont associé Yahweh à Diane. Ils ont voulu associer Jésus-Christ à Diane. Or, notre Dieu est jaloux. Notre Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Jamais. Il est jaloux et il doit être le seul à être adoré. N'est-ce pas que les apôtres ont dit, notamment Pierre, que sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui nous est donné grâce auquel nous sommes délivrés, frères et sœurs. Et eux, ils n'ont pas compris pourtant, ils avaient vécu un puissant réveil. Mmh. C'est comme nos dénominations d'aujourd'hui. Quand on prend l'exemple du, de, de du mouvement pentecôtiste, en 1906, il y a eu un puissant réveil avec William Seymour, Seymour, ce noir américain qui était borgne, qui, qui était, mes amis, rejeté. Dieu va le susciter et il va être le catalyseur pour déclencher le, le, le mouvement de réveil le plus important, n'est-ce pas, que le monde ait connu. Mm -hmm. Mes amis, après le réveil de Ninive, et c'était un réveil mondial. Mm -hmm. on, a, on est tous, mes amis, aussi un peu le fruit de ce réveil parce qu'on est nés, mes amis, à l'époque, je me rappelle, il y a plus de 30 ans, nés dans une église pentecôtiste. Oh, Amen. Donc, il y avait le feu encore, mes amis. Et là, mes amis, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ce mouvement la pentecôtiste, aujourd'hui est devenu tellement paganisé. Mm -hmm qu'il sait, qu'il a rejeté la, la, les œuvres de l'esprit pour se cantonner dans un fonctionnement complètement sclérosé, complètement mécanique, complètement, mes amis, euh, euh, comment dire, bétonné, et euh, un, un, un fonctionnement, mes amis, inchangé et inchangeable, et, et, et qui, malheureusement, devient une prison. Une prison. Et c'est grave. C'est grave. Où sont les œuvres du, des pères du réveil de, du mouvement pentecôtiste mm -hmm. Où sont ces œuvres-là Où il y avait le feu du réveil ah, Où les bien. gens adoraient Dieu véritablement, frères et sœurs. Mm. Les démons étaient chassés, mes amis, correctement. Mm. Il y avait des guérisons véritables. Il y avait des conversions véritables. Et, et ils ne prêchaient pas une dénomination. Mm -hmm. Ils présentaient aux gens Jésus-Christ de, de Nazareth. Nazareth. Alléluia. Où est le réveil de John Wesley, de Charles Finney, mm -hmm. frères et sœurs C'était des hommes de feu, ils ont prêché, non leur dénomination, mais ils ont prêché le royaume de Dieu, frères et sœurs. Où est le réveil, mes amis, de Simon Kimbangu qui a prêché <laughs> le royaume de Dieu, frères et sœurs, où des gens qui étaient morts pendant quatre jours, depuis une semaine, étaient ressuscités, mes amis c'est terrible. Une femme était décédée depuis 4, 5 cinq jours. Mm. Ils sont allés chercher Simon Kimbangu au Congo, mes amis RDC. Il est allé dans, on est allé chercher dans son, dans son village. Il est allé au cimetière. Mm. Ils ont déterré cette femme. Ils ont déterré son cercueil. Alléluia. Il a prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme a été ressuscitée. Où sont mes amis ces choses? Mm. Frères et sœurs, oh, 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 que Dieu nous aide. Alléluia. À leur mort, on crée des dénominations, on crée des sectes, on crée des, 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 des prisons, mes amis. Et on repart encore dans l'adoration des divinités locales, dans le fétichisme, dans, mes amis, hallelujah, dans l'idolâtrie. Mmh. Où est le réveil, frères et sœurs, véritable, que ces hommes et ces femmes ont vécu, frères et sœurs, quand je vois le réveil de cette femme que Dieu avait suscité, Maria Ether des guérisons, des conversions authentiques. C'était le royaume qui était prêché, frères et sœurs. Oui, oui, oui. à chaque fois, c'était le nom Yeshua qui était proclamé. Mm. C'était le royaume de Dieu. Ces hommes et ces femmes ne prêchaient pas leur dénomination, mm -hmm. ne prêchaient pas leur bâtiment, mm. ne prêchaient pas leurs églises, mm. ne prêchaient pas la dîme, mm. ne prêchaient pas leurs assemblées. Mm. Ils présentaient Dieu. Ils vivaient Dieu. Ils manifestaient Dieu. Ils expérimentaient Dieu. Et les gens avaient, mes amis, soif de Dieu. Ah, les ils avaient louiers. soif de vivre Dieu autrement. Ils vivaient Dieu. Amen. Et aujourd'hui, ces dénominations sont devenues des cimetières, des tombeaux. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et c'est grave. Ils veulent devenir, mes amis, ces hommes et ces femmes. Mes amis, ils veulent construire des Babylones. De Babylone, la grande. Soyons tous un. Unissons-nous pour faire... Un grand nom. Oh, que Dieu nous aide, que Dieu nous garde. Quand je vois, mes amis, ces affiches des prophètes, des pasteurs d'aujourd'hui, des apôtres modernes, où le, on les appelle les bishops, les archibishops, les archevêques, c'est la confusion totale qui commence à porter des soutanes. C'est la confusion totale. Le collet clérical, costume et cravate matin, midi, soir. Oh, frères et sœurs. Les, les, les vêtements, mes amis, n'apportent pas l'onction, mes mm. amis. Les vêtements ne délivrent pas les hommes. Mm. Les vêtements, mes amis, ne changent pas les cœurs. Celui qui change les cœurs des hommes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est sa amen, parole, frères amen, et sœurs. Amen, Alléluia. Oui. La doctrine, c'est quoi? La oui. doctrine, c'est la révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ Seigneur. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Le mm. Dieu tout-puissant. Alléluia. Ouh, Seigneur de gloire. Mm. C'est grave. Et on nous dit que cette assemblée n'était pas légale. Cette assemblée n'était pas légale. Mm. Et elle a été dispersée. Or, l'église de Jésus-Christ, personne ne peut la détruire. Mm. Ouh, alléluia. Mm. L'église de Yeshua est une église légale. Mm. Une église enregistrée dans, le, dans les cieux. Nous, nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, mm. nous dit Hébreu 12, 22. Nous nous sommes approchés de, des anges, mm. des premiers-nés inscrits. Dans le ciel, nous sommes inscrits dans le livre de vie. Alléluia. Donc nous sommes, mes amis, une église légale. Mm. Tu as été bâti légalement. Yeshua t'a bâti, église de Yeshua. Personne ne peut te détruire. Mm. Ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas te détruire. Alléluia. Ils vont te critiquer, mais tu vas toujours prendre de l'ampleur. Mm. Alléluia. Ils mm. vont te combattre. Mm. Ils chercheront à t'éteindre, à t'étouffer. Mm. Plus ils vont t'attaquer. Plus Dieu va se lever, Alléluia. Alléluia. ils il ne vont pas comprendre pourquoi les gens t'écoutent. Mais mm. parce que Dieu est en toi, Alléluia. parce que Dieu est avec toi, mm -hmm. Dieu t'accompagne. Si Dieu accompagne son serviteur, sa servante, que le monde, que l'enfer se lève ou pas, Dieu est assis. Alléluia. Il est assis. Il ne bouge pas de son trône, il est assis. C'est-à-dire, il a tout accompli et il attend maintenant que tous ses ennemis soient son marchepied. Mm -hmm. Donc, on n'a pas paniqué. Il n'y a pas de panique à bord chez nous, frères et sœurs. Oh, alléluia. Je vous assure, les Dianes modernes, les Astarté, les Achéras modernes, les, les, les démons modernes, ils vont tomber au nom au de nom Yeshua. Au nom Jésus-Christ et Nazareth. Oh, alléluia. Astarté, Diane, Achéras. Tout les, toutes ces divinités, frères et sœurs, qui veulent vous empêcher de faire l'œuvre du Seigneur vont, mes amis, elles ont déjà été vaincues au nom de Yeshua. Et ce message concerne les élus, concerne l'Église véritable, concerne ceux et celles qui aspirent à l'enlèvement, qui attendent le maître. Il est l'heure que vous compreniez. Qu'on sera de plus en plus persécuté, on sera de plus en plus, plus, plus attaqué. Les gens qui, sont, qui ont fait de la, de la Bible, qui ont fait de l'église de Yeshua un métier pour s'enrichir, pour, mes amis, avoir un salaire, ils se sentiront de plus en plus menacés. De plus en plus menacés. Quand ils entendent qu'il y a un missionnaire qui arrive dans une ville, dans leur ville, ils tremblent. Pourquoi mm -hmm. Parce qu'ils se disent Nous allons perdre nos ouailles. Mm. Et si nous perdons nos membres, nous allons perdre l'argent. Ils disent que les églises, c'est leurs églises. Quittez ces églises-là. Un pasteur qui dit que c'est mon église, quittez-la parce que c'est son église, effectivement. Et ceux qui sont de l'église de Yeshua suivent Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Yeshua a dit Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Mm -hmm. Un seul troupeau. Une seule bergerie. j'en dis. Mm. Un seul berger. Un seul chemin, une seule vérité, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. C'est ça le message, c'est ça la doctrine, mes amis, qu'il faut annoncer, le retour de Yeshua. Amen. Oh, que Dieu soit béni, frère et Il y a eu un tumulte. Donc ça veut dire que, mon frère Philippe, mon frère Philippe on ne peut pas éviter les tumultes. Non. Si on prêche la, la, la vérité. Le Seigneur lui-même l'a connu. Voilà. Et nous, alors Voilà. Et nous <laughs> Donc nous sommes dans la continuité. Mm -hmm. On vivra la même chose. On vivra les mêmes choses. On vivra le même chose. Comme il l'a vécu, sinon le Seigneur n'est pas en toi. C'est ça. C'est-à-dire que tu seras combattu, tu seras rejeté, tu seras affligé, tu seras je sais pas quoi. Mais ce que tu vis là, c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Et nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer. Amen. Et jusqu'au bout. Amen. Jusqu'au bout. Je veux te suivre. Ça, c'est un, un chant que j'aime beaucoup. <laughs> Tu ajoutes les paroles un peu de ce chant-là Je suis très touché par... Et je suis toujours très touché par ce chant-là. Amen. Et que le Seigneur nous aide pour que nous puissions aller jusqu'au bout. Alléluia. Dans les bons, les mauvais jours À toi, mou mourir ou vivre À toi, Jésus, pour toujours Jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais, les mauvais jours. Alléluia. À toi pour, pour mourir, et vivre. À toi, à Jésus, Jésus, pour toujours. Oh, irons-nous, comme a dit l'apôtre Pierre. C'est lui qui a les paroles de la de vie. vie. Et comme Paul disait également, est-ce la faveur des hommes que je cherche Non. Est-ce que je prêche les hommes Si je plaisais encore aux hommes, je ne serai pas mmh. serviteur de Dieu. Allez, un allez. vrai chrétien, un vrai pasteur ne tremble pas quand il entend qu'il y, y a eu un séminaire dans sa ville. Au contraire, il se dit mais que Dieu soit béni. Tu comme... sais, apôtre, ce que nous sommes en train de vivre là, c'est rien du tout par rapport à ce que nous attend à Jérusalem. Mmh. Parce que le vœu de l'apôtre Paul, c'est quoi que cette parole retourne à Jérusalem. Mm -hmm. Et à qui l'apôtre Paul a confié ce travail-là C'est à nous. Mm -hmm. Et nous pouvons tout simplement le lire dans le livre de Romains au chapitre 9, 10 et 11. Mm -hmm. C'est ça la tâche qui nous attend. Mm -hmm. Et là-bas, le combat sera terri mm -hmm. terrible, terrible, parce que c'est le combat final. Mm -hmm. Ce que nous sommes en train de vivre là, ce n'est qu'une préparation. Mm -hmm. C'est comme si c'est un boxeur qui se prépare. Par rapport à son combat. Mm -hmm. dont le combat final ira lieu à Jérusalem. Mm -hmm. Et c'est là où nous irons mourir. La guerre d'Armageddon aura lieu là-bas. Mais c'est là. C'est là. C'est là. C'est-à-dire que là, nous ne sommes qu'en préparation. Le Seigneur nous fait voir ce que nous allons vivre vis-à-vis -vis des Juifs. Parce qu'il faudrait que cette parole retourne là-bas. Mm -hmm. En tout cas, le Seigneur, mes amis. Euh euh, prépare ses enfants parce que la persécution, bien sûr, elle va de plus en plus se généraliser. Oui. Ça, c'est une évidence. Et il euh, faut vraiment comprendre que les nations rejettent de plus en plus la vérité. Ça, on le sait. Et les églises qui sont aussi euh, dans ces nations, beaucoup, malheureusement, ne sont pas les églises de Yeshua. L'église du Seigneur n'est pas divisée. L'église de Jésus-Christ est une. Elle est déjà unie. Elle est unifiée. Elle ne cherche pas une, mes amis, manifestation visible euh, de son union, de son unité, hein, de sa, de sa cohérence, tout ça. Et euh, elle est déjà unie. La preuve en est que les vrais chrétiens, quand ils rencontrent d'autres chrétiens qui sont authentiques, eh ben, ils ont l'impression de se connaître depuis des années. Amen. Donc, Amen. on n'est pas divisé. Les vrais chrétiens mmh. ne sont pas divisés. Et, et cette église, malheureusement, qui cherche l'unité visible via l'écuménisme et le syncrétisme, cette église-là, elle est, mes amis, dans un théâtre. C'est du cinéma, c'est du théâtre, tout ça. Et. En tout cas, ce n'est pas Dieu qui est adoré, c'est d'autres divinités. Voilà. Donc, euh, c'est d'autres divinités qui sont adorées. Et il nous faut, mes amis, prier pour les, les, les uns les autres, prier pour les uns les autres afin que la lumière de l'évangile puisse véritablement nous éclairer davantage et que cette vérité justement euh, libère les captifs véritablement. Alors si vous souhaitez nous appeler, il n'y a pas de souci, donc vous pouvez le faire. Au 01 64 98 90 45. Voilà, donc nous vous rappelons que ce jeudi, nous sommes en, en, nuit, de, en nuit de prière, d'adoration, de, de partage de l'évangile. Et, euh, et puis euh, ce 2, le 2 mai, nous sommes à Bonn, en Allemagne. Et les frères et sœurs ont pris une grande salle là-bas qui peut contenir près de 1500 personnes. Et, euh, donc on sera là-bas aussi. Il y aura euh, peut-être prié pour cela aussi des distributions de la BGC à Bonn. Voilà, je crois que les frères et sœurs d'Allemagne aussi auront leur BGC, parce que la dernière fois, il y en a pas mal qui n'avaient pas, euh, pas reçu. Donc, euh, on va s'organiser en tout cas cette fois-ci pour que vous puissiez en avoir aussi. Demain matin, à 10, à, à 8 heures, entre 8h et 10h, on va euh, réceptionner les 10 400 BGC et, euh, voilà, qui, euh, qui seront là. Et euh, donc, je pense qu'on pourra faire un direct demain matin pour vous montrer l'heure que le Seigneur fait. On a dit au chaud Donc, euh, bien, si tu ne travailles pas demain, si Dieu permet. Ce serait bien que tu nous aides, mais je pense que tu travailles. Le matin, je travaille. Je travaille, ouais. Donc, midi voilà. matin, je travaille. D'accord. Donc, en tout cas, demain matin, frères et sœurs, c'est une, 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 annonce que je fais ce soir. Si jamais vous ne faites rien demain matin, si vous habitez en région parisienne et que vous voulez venir au 24 ici à Évry pour nous aider à décharger ces 10 400 exemplaires de la BGC, ben, vous serez les bienvenus. Et euh, Bien sûr, il est question des enfants de Dieu qui craignent Dieu, qui aiment le Seigneur. Et euh, donc, venez demain à partir de 8h du matin. Et euh, on sera là pour euh, les ranger, pour travailler un peu. Donc, je pense qu'on sera là toute la journée. Et euh, donc, venez euh, vous, re, vous joindre à nous pour euh, qu'ensemble nous puissions, mes amis, euh, préparer ces Bibles pour euh, la veillée, n'est-ce pas? Donc, euh, et, euh, voilà. Que le Seigneur en tout cas soit béni pour votre présence demain. Et euh, je crois que vous serez nombreux pour pouvoir. Euh, nous aider à transporter toutes ces Bibles. Toutes en tout cas, c'est beau. Je ne sais pas si nous avons un coup de fil, les amis. Non, on a euh, personne en ligne. Et euh, en tout cas, que le Seigneur soit béni, mes amis, que le Seigneur soit euh, euh, élevé, glorifié. Vous êtes euh, encouragés euh, parce que le Seigneur a accompli dans vos vies. Vous nous envoyez beaucoup de mails d'encouragement. Et euh, vous êtes nombreux dans les nations à prendre position pour la doctrine du, du Seigneur, pour la parole de pour Dieu, la, pour, la, pour la vérité, pour l'évangile tout simplement. Et euh, cet évangile qui veut que mais les chrétiens, bien sûr, se préparent pour le retour du machi, hein et, euh, nous avons aussi la mission, nous en tant qu'église des nations, issue des nations, de prier pour Israël, ça c'est clair. Mm -hmm. Et euh, Paul dit que si nous avons reçu d'eux des biens spirituels, et, euh, nous devons aussi les assister dans tout ce qui est matériel. Donc nous prions pour Israël, nous prions aussi pour la Palestine, nous prions pour les descendants d'Abraham, les descendants physiques, hein, tous les sémites aussi. Donc, euh, et, euh, au nom de Yeshua, et. Euh, et euh, donc nous prions et effectivement pour euh, que cet évangile atteigne euh, véritablement les nations. Mais Israël sera totalement sauvé selon Romains 11 quand le Messie reviendra physiquement. Lui seul va pouvoir délivrer cette nation et rétablir euh, le gouvernement théocratique selon la prophétie biblique. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur. En tout cas, merci Pasteur Philippe pour euh, euh, ta merci présence. Merci parce que ça a été un privilège pour moi. Amen. Parce que ça fait longtemps. Alléluia. Et c'est la première fois aussi que je passe, euh, comme j'aime bien rester dans l'ombre. En tout cas, <laughs> c'est un, une C'est la première euh, fois pour tous moi. les enfants de Dieu. Que Dieu soit loué. Quand tu peux, tu viens. Je sais que les Amen. frères seront encouragés. Amen. Au nom Amen. de Yeshua. Amen. Voilà, frères et soeurs, en tout cas, que le Seigneur soit béni. Et euh, voilà, donc euh, demain, entre 8h et 10h, on sera là pour, en fait, à partir de 8h30, pour euh, réceptionner les 10 400 exemples de la BGC Et euh, soyez, euh, ceux qui peuvent venir, en tout cas, veulent nous aider. Nous avons besoin de la main-d'œuvre pour euh, pouvoir décharger et puis euh, préparer toutes ces Bibles euh, c'est une version comme vous le savez qui va beaucoup beaucoup faire du bien beaucoup donc euh, les deux exemplaires que nous a envoyés la semaine dernière nous a beaucoup fait du bien et euh, merci en tout cas pour euh, vos prières frères et sœurs et que toute la gloire soit au Seigneur à demain sur TV et à Radio de Vie que Dieu vous garde au revoir, au revoir.